Bien aller voir. On va aller chercher les explosifs. Il a dû tomber au fond de la ligne. Oh, ah ouais. Il a pas le choix de s'en sortir. Oh, je l'entends. Par ici. Là-bas. Allez-y. Reculez-vous. Tais-toi, crochu. Encore un verre? Boucle-la. Non.
Oh, c'est encore un de tes cauchemars, c'est fini. Oh, oh mon enfant, petite chérie, dis-moi, est-ce que tu veux que j'appelle ta maman? Oh, allez, c'est fini, tu as rêvé. Qu'elle est en train de mourir. La seule chose à faire, c'est d'ouvrir la trachée. Elle va vite se rétablir. Vous ne savez pas ce que vous dites. Regardez. Vous voyez bien? Tout ce que je vois, c'est que vous voulez la tuer. Il faut absolument qu'elle me confie son secret. Ma petite citrouille a bien dormi. Quoi? Oh, merci. Max! Max n'a pas le droit d'entrer. Ici, Max. Demain, c'est le jour des masques. Aujourd'hui, le jour de Max. Elle a oublié ce qui s'est passé. Elle va vraiment mieux? Oui. Allô, petit Mickey? Donne-moi un gros baiser. Comment? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer que je t'apporte un cadeau? Pam 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 pam. Comme elle est jolie. Mon ami Billy ne va plus oser parler à sa petite fiancée. Qu'est-ce que c'est que ce charivari? Bon, fin de l'entracte. Max, regardez-moi ce gros pacha. À bientôt, Jimmy. Grosse bise.
Bon, je reviens dans 2 jours. Tu seras sage? Papa et maman t'embrassent. Ma chérie. L'enfant maudite de mourir. Mais comment ose-t-il ? Ils s'en prennent à elle comme si elle était responsable des crimes de Myers. Ils savent que ce triste individu est son double. C'est sous son influence qu'elle a attaqué sa belle-mère et ils ont peur d'elle. Surtout le jour d'Halloween. Quand je pense que je vais la laisser seule pendant 2 jours, je ne suis pas tranquille. Vous avez peur ? C'est une appréhension. Je comprends, vous craignez que tout ça ne recommence après une année. Et qui sait ce qui peut encore arriver. Et vous me laisseriez partir en laissant ma demi-sœur ici, toute seule? Tout ira bien, ne vous tourmentez pas. Tout le monde est aux petits soins pour elle. Ah, je le sais bien, mais j'ai quand même un doute. Ah, tu sais, je suis inquiète pour Johnny. Mais dans ce cas, ne pars pas. Et puisque je l'ai promis à mes parents... Oh, explique-leur, ils ne t'en voudront pas. Tu as raison. À la ferme, il y aura une surboule d'enfer, pense-y. Entendu. Il faut que je file. Je compte sur toi. On verra. C'est tout vu, j'apporterai les costumes. Allez, le monstre. Et doucement. Tu as encore fini, Géraldine. Allez, viens, Casanova. Bon, ça y est, tu lui as dit bonjour. Oh, tranquille. C'est quoi ça, une casquette de fatigue? Ah, il n'y en a rien, c'est un chapeau de cow-boy. Si tu veux te déguiser en clown, tu dois avoir un gros nez rouge. Tiens, voilà une balle de ping-pong. Tu fais un trou ici pour passer le nez. Mais pas rouge. Et voilà de la peinture. C'est toi, Max. Et toi, tu te déguises en quoi? Allez, Billy. Bien. Oui, tout va bien, j'étais sous la douche. Est-ce que... Max est à côté de vous? Max est en pleine forme, il ne pense qu'à batifoler. Allez le chercher. Mais pourquoi? Allez le chercher. Vite! Ah, j'y vais. Restez en ligne, je descends. Il doit être dans la cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Rachel! Max est sorti. Écoutez-moi. Ne perdez pas une minute. Sortez tout de suite de la maison. Et filez chez votre voisin. Oh.
avec eux, ça traîne pas. On a fait le tour, y a rien dans les mains, rien dans les poches. Où est passé Max? Un coup de baguette magique. Ah, fortiche les poulets, hein. Comment avez-vous fait, Max? Regardez, voici. On t'a pas. Je suis vraiment confuse. Alors, on est là pour sûr, retrouver des chiens. Sauver des chats. C'est le turbin. Et on aime ça. Max, t'écoute aussi. Fais-lui une bise. Travaille bien, je t'embrasse. Au revoir. Tu as entendu toi-même. Tout va très bien. Allez, je t'emmène, Billy. Laissons le Jamie se reposer un peu. Ça va? Est-ce que je peux t'aider? Allez, ça suffit. Ça vient, oui? C'est lui? Dis-moi ce que tu sais. Allez, sois gentille. Tiens, tu vas m'écrire tout ça sur cette feuille. Allez, écris, écris, écris. J'ai besoin de savoir. Ma petite, sois gentille. Je t'en supplie. Max? Digitaline devrait commencer à agir. Une autre dose serait fatale. Elle tremblait. Tout son corps était pris de convulsions. Si à chaque fois que la gamine s'agite, la police doit être sur le pied de guerre. Combien a-t-il fait de victimes l'année dernière? Avez-vous oublié que votre enfant... Taisez-vous! Non, non, vous ne l'oublierez jamais, je le sais. Vous la pleurerez toujours. Connaissez-vous le visage de son meurtrier? Avez-vous vu ses yeux? Non, vous ne l'avez pas vu. C'est un visage sans expression, vide. Oh, je me souviens de ma première rencontre avec Myers. Il doit y avoir 9 ou 10 ans. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Vous voyez? C'est son œuvre. Ah, j'ai prié pour qu'il aille brûler en enfer. Mais tout au fond de moi, je savais que l'enfer ne voudrait jamais de lui. Shérif, on a besoin de vous au cimetière. Non, 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 non.
Oui, tu as soif et bien patiente. Coucou. Y a quelqu'un? Où est-ce que tu te caches? Attention, j'approche. J'arrive. Rachel? Ah ah, tu veux pas descendre? Rachel? Halloween, non? Tu te rends compte? La maison est à nouveau tout le week-end! Ah, toi, tu m'as l'air d'avoir envie de faire des bêtises. Ah, Samantha, du coup, c'est toi un peu, ma vieille! Allez, hop! Rachel avait décidé de rester. Je le croyais aussi. Je suppose qu'elle a préféré aller à la campagne avec ses parents. Et toi, monstre abominable, ferme ton placard à croquettes! Si ma mère passe. Lapide. Elle va s'apercevoir que Rachel n'est pas là. C'est pour rigoler. Pour prendre ton homme au piège ce soir. Oh, je peux pas faire ça. Les hommes, c'est fait pour ça. C'est facile. Oh, elle rougit. La chaudière. Allez, je veux tout savoir. Raconte-moi. Cette fois, je tiens le bon bout. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, je ne peux pas encore en parler. Oh, c'est le mystère. Maintenant, provoque-le. Fais-lui le grand jeu. Lingerie sexy et... caresse, massage et drap de soie. Satin? Drap en satin. C'est Rachel. Oui, et en déshabillé vaporeux. Et n'oublie pas la peau du léopard au coin du feu. J'ai essayé une fois avec Mickey, ce fantastique. Vous n'avez pas à vous gêner, vous aurez la maison pour vous tout seul. C'est divin, non? Mickey et moi, on fait ça en voiture. Tâche seulement d'être moins nerveuse et tout ira bien. Ah, je suis pas nerveuse. Je me sens bizarre aujourd'hui. Et tout le monde est d'une humeur bizarre depuis ce matin. On devrait interdire Halloween, ça nous monte à la tête. Mickey! Bonjour, toi! À l'heure? On avait justement besoin d'un chauffeur. Allez, monte! Tu sais, on s'excuse pour le week-end dernier. Hein, Mickey? Non. Il est désolé.
On doit d'abord passer voir Jenny. T'entends ça, Elvis, elle me prend la tête. Tu m'ôtes ou quoi? On peut y aller après. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, monte. J'en ai pas peur. T'essaies de me dire quelque chose? Vous l'avez trouvé? Oh. Bien. Allez, je te tiens. Oh, te voilà enfin. J'étais si inquiète. Je t'ai cherché partout. Oh, mon Dieu. Quel désastre. Oh, calme-toi. Nounou est là. Ma chérie, c'est encore un de tes cauchemars. Partons, viens. Ma petite, tu vas être raisonnable. Il faut absolument que je le retrouve. Mais nous savons, toi et moi, qu'il est vivant. Mais tu es la seule à savoir où il est. Pourquoi? Dis, pourquoi protèges-tu ce monstre? Hein? Et ta belle-mère, tu y penses? Tu l'aimes, je le sais. Et pourtant, il t'a forcé à la poignarder. Tu ne peux pas lui échapper. Il saura toujours où tu es. Hein, ma petite Jimmy, j'ai quelque chose de grave à te dire. Aujourd'hui, au cimetière, quelqu'un a déterré un cercueil. C'était le cercueil d'une petite fille de 9 ans. Tu veux que je te dise ce qu'il a l'intention d'en faire? Hein? Est-ce que tu n'as pas 9 ans? Ça ne te fait pas réfléchir? Docteur Loomis, vous devriez cesser de la tourmenter. Tu as beau pleurnicher, ça ne changera rien. Oui, je suis là, ma chérie. C'est ensemble, nous pouvons le trouver. Je te laisse pas. Elle, moi, petite, il ne faut pas que nous attendions. S'il a ce pouvoir sur toi, il y a une raison, ma petite fille. Tu ne t'es jamais demandé ce que c'était? Jimmy. Elle est là. Où ça, je la vois pas. Elle est au fond du car. Tiens, elle nous a vus. Wouhou! Elle était pas trop fatiguée? Mais tais-toi, elle veut pas t'entendre. Oh. Wouhou! À la ferme. Thank you.
Michael, tu es là? Tu es revenu chez toi, Michael Myers? Oh, je sais ce que tu veux, la petite. Avec la tête que t'as pas besoin de masque. La petite brune, elle m'allume. Et la blonde est furibonde. Ça va? Allez, viens. Messieurs, à des relations. Combien de caisses tu peux sortir? Au moins 3. Je préfère pas en sortir plus, je risque de me faire choper. Il faut se grouiller parce que je quitte bientôt. Bon, tu passes par derrière ou on appelle les flics pour nous aider? Oh mec, on se voit dedans. Ah, vraiment nickel ton cœur billard. Le plan dîner, je vais t'emmener faire ton dernier voyage. D'accord. C'est gentil, une autre fois. Je vais faire monter ton taux d'adrénaline ce soir. À 8h, j'ai arraché. Bon, tu viens, on n'a pas encore essayé les costumes. Et au fait, Mickey, tu te déguises en croque-mort? Bon, on a fait le plein. Tu files maintenant et tu bois pas tout en route. À plus! Taré. Ah.
Elvis, dis-moi que je rêve. Dis donc, reclure, t'aimes le jardinage? Je vais te labourer. Miroir, qui est la plus belle? Ouh. Voilà, c'est pour toi. Elles sont magnifiques. Il faut les mettre dans l'eau maintenant. C'est un cadeau. Tout d'abord, je tiens à remercier les parents qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Et à tous les autres, un grand merci d'être venus si nombreux assister à notre concours de déguisement. Notre premier couple, Jenny Ogle et Christian McGee, on applaudit. Que je t'ai acheté. Et je vais te faire un aveu. Tu es vraiment beaucoup mieux avec. Le pirate et la princesse, on applaudit bien fort. Jenny, ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Je n'ai pas droit à un petit baiser. Ton look d'enfer est irrésistible. Allez, viens. Tu me donnes la chair de poule. Si j'ai bien compris, dis-moi en moi ce que je t'ai fait. C'est parce que je veux aller voir Jamie. Si tu crois que je vais faire tes quatre volontés, tu te gourres, je fais ce qui me plaît. Arrête-toi là, j'ai plus de cigarettes. Espèce de barbare, ça te suffit pas d'être muet, il faut que tu joues au sourd.
Enfin, psychopathe de carnaval. Qu'est-il arrivé? Dina, il lui est arrivé quelque chose. Lâchez-la, il faut la transporter. Où est Dina? Elle est en danger, mais où est-elle? Tu m'entends? Ma petite, il faut que tu essaies de nous dire où elle se trouve. Appelez le shérif tout de suite. Inspecteur Blake, appelez le shérif. Station. Station? Il s'agit d'une station-service, c'est ça? Garage. Comment faire? Ah, bah, une femme? Oui, oui, continue. Une grosse femme. Une grosse femme qui travaille dans la station-service. Mais quoi alors? Calme-toi, respire doucement. Grosse femme, gâteau. Grosse femme au gâteau. Grosse femme au gâteau. Station service de la 7e rue. À la clinique. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Jimmy? Montez dans la voiture. Mais où allez-vous comme ça? Ça tient pas de bruit. Venez. Dieu soit loué. Eh bien, quelle aventure! Comment va Jimmy? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Quand on est grand, il arrive parfois qu'on rencontre des gens qui vous rendent complètement électrique et le cœur est lumineux comme un néon. C'est pour ça que je veux être auprès d'eux. Mais tu t'es avec lui? Qui? Le Belzébuth? Oui, c'est un nom qui lui va très bien. Non! Je te promets de rentrer ce soir et je dormirai dans ton lit. Dina! Je t'embrasse. À tout à l'heure. Reviens. Vous ne restez pas avec nous. Il faut que je file, je suis en retard. Je vous en prie. Lâchez-moi, ça suffit. Vous n'avez pas honte de raconter vos dégoûtantes histoires de Belzébuth à cette gamine. Je crois que vous êtes en danger. Jamie le croit aussi. Jamie est une petite fille de 9 ans. Il faut être raisonnable. Le jour où je serai raisonnable, vous ne serez plus là pour le voir. Je vous ordonne de rester. Mais bon sang, rattrapez-la! Quoi? Calmez-vous, docteur. Qu'est-ce que vous lui voulez? Pas d'empoter! Cette fille est en danger. Si jamais il lui arrive quelque chose... D'accord, d'accord, on y va. Souriez. Je suppose que vous allez me suivre. Eh bien, si vous m'emmeniez jusqu'à la ferme. Voiture 20, appel central. Je répète, voiture 20, appel central.
disparu. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est introuvable. Loomis, c'est quoi ce bazar? La petite a disparu. Ah! Il faut trouver Tina. Comment tu vas faire? Tu sais même pas où elle est allée. Moi, je le sais. Où ça? Elle est au bal de la ferme. Il est génial, ton costume. Je dois danser. Tina? Quoi? Oui, Mickey. Oh, il est très bien où il est. Et si on y allait? Mais on se déguise en quoi? En poulet. J'ai pas fini de me pomponner. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis les ordres sont les ordres. Oh, ça a l'air d'une menace de mort. Nah. Et une partie de cartes? Spitz et moi, on vient d'avoir une idée fantastique. Quoi? On va bien rigoler. Ah, je t'ai vu, t'as encore triché. Je suis le meilleur. Ah, je t'ai vu, me raconte pas que... Épargne, mon ami. Elle est encore vierge. Tu as son numéro de téléphone. Vous êtes fêlé? Oh, non, tout va bien. C'était juste une petite farce, on voulait s'amuser. Ça ne m'amuse pas du tout. À l'heure qu'il est, vous devriez être mort. Heureusement qu'on est des minables. Mmh. Hey. Trop tard. J'ai trouvé quelque chose. Regarde. Il est pas mignon? T'attraper, attention. Où es-tu? Je m'approche. Ah!
idiote, je déteste les chats. Tu perds la tête, ma fille. Oh, vous êtes là? Samantha? Vous vous cachez? Tu l'as vu? Désolée, la tête qu'elle a faite. C'est pas qu'elle a renversé la paille, vous l'avez vu? Moi, je vais faire un tour. Sur la paille, c'est une bonne idée. À tout à l'heure. La paille, ça pique les fesses, c'est excitant, hein? Au plaisir. Tu l'as dit. Spitz! Si tu crois que je vais aller te chercher, tu te trompes! Espèce de goujat. Quoi? Ça va pas? Tu mets pas ta petite laine? Voilà. Oh.
Je vais t'enfourcher. T'entends ce festival? À leur âge, on faisait pas des trucs pareils. On était normaux. On se fiançait d'abord. Hé, hey, le comique, viens par ici. T'as compris, oui, la plaisanterie a assez duré. Qu'est-ce qu'il trafique avec sa fourche? Et qu'est-ce que vous trafiquez avec votre fourche? À quelle époque, même la police ne peut plus se faire respecter. La faute aux parents? Eh oui. Hé, hey, face de plâtre, on n'est pas au musée des horreurs. J'ai envie de te manger toute crue. Je sais bien ce que tu veux, c'est pas tout. Oui, oui, tout de suite. Je parie que tu n'as jamais fait ça avec un loup. Trouve-toi plutôt un petit chaperon rouge. Viens, par là, c'est plus court. Pas le moindre petit bruit? Vous êtes sûr de faire ça comme il faut? Venez prendre un bain de minuit! Je suis sûr que vous êtes déjà en tenue. Aidez-moi, je vous en supplie! Plus vite! Plus vite, je vous en prie!
chérie. Tina! Tina! Chercher l'autre fille. Mais quelle autre fille? La fille n'est pas avec eux. Comment ça? Avec quoi? Il y a une autre fille avec eux? Elle est dans le bois. On ne l'attend pas. Ça va aller, c'est fini. Il ne t'a pas fait mal? Non. Oui, on va le retrouver. Vous n'avez pas besoin de quitter les jours. Bien cher. J'ai besoin de 3 voitures pour patrouiller autour du bois. As-tu enfin te décider à m'aider? Vous allez tuer le monstre! Je te le jure. Pas si vite, docteur. Il n'y a pas une minute à perdre. Je ferai ce que vous demanderez. Michael, elle te détruira toi aussi. Peut-être bientôt. Cette folie qui te dévore le cœur. Tu crois qu'en les tuant tous, tu pourras guérir? Tu te trompes. Il te faut affronter tes démons dans leur demeure, là où tout a commencé. Si tu veux te débarrasser de ta folie, Michael, nous irons tous les deux voir tes fantômes. Rentre chez toi, retourne dans ta maison, je t'y attendrai. La petite y sera. Tu en as ma parole. Thank you.
peut nous voir de la rue? Impossible. Poste 1, planquez-vous, je vous vois. Dans la maison, je veux un rapport toutes les 5 minutes. Gérard Arraes. Fred Arraes. Peut-être bien qu'il ne vous voit pas, shérif. Mais si vous continuez ce raffus, c'est vous qui ne le verrez pas. Vous affolez pas, docteur, je tiens l'affaire en main. Vous avez entendu, les gars, mettons-le en sourdine. Heureusement qu'on garde notre sang-froid. Chut. Oh, pardon. Tu veux répéter une dernière fois le signal? On y va. Tu frappes bien fort et j'arrive. En un clin d'œil. T'es une petite fille courageuse. Il est à la clinique. Voiture 16, appelle la clinique Masterson. Voiture 16, appelle la clinique Masterson. On vient de recevoir un appel de détresse de la clinique. Il y a 4 de nos hommes là-bas et les radios ne répondent pas. Shérif, à toutes les équipes. Regagnez les véhicules. Départ immédiat pour la clinique. Dépêchez-vous. Allez, on se brouille. Garde ton gros train. Et toi, tu restes là. Docteur, j'emmène la petite au commissariat et l'histoire en sécurité. Je vous en prie, faites. C'est parti. On est prêts. La fillette Charlie et le docteur sont dans la baraque. C'est bon, on y va. C'est fait pour aujourd'hui. Allez, petite princesse, votre chauffeur Eddie vous attend. En route, ma belle. Vous nous accompagnez au commissariat, docteur? Ouvrez cette porte tout de suite. Elle va rester ici, avec moi. Je vous donne 5 secondes pour me rendre la clé, ou bien je la prends moi-même. Charlie! Tu me reçois? T'impatiente pas, on arrive. Et il y a une voiture qui approche. C'est quelqu'un de la maison. Je vais voir ce que c'est et je te rappelle. Eddie, tu m'entends? Eddie, qu'est-ce qui se passe? Eddie, réponds. J'y comprends rien. Je vais appeler le shérif. Dieu s'est réglé, mais qu'est-ce que vous faites? Charlie. Tout doux. Michael Myers attend dans la rue. Restez avec elle. Reculez. Avec moi, tu ne crains rien.
faut sortir d'ici. Je sais bien pourquoi tu es revenu. Parce que cette petite fille peut faire cesser ta colère. Si tu la laisses faire, elle pourra te délivrer du mal qui te ronge. Tu vas enfin pouvoir vivre. Non, ne la cherche pas là-haut. Elle t'attend ici, dans la vieille maison. C'était ta maison autrefois. Ta maison. Te souviens-tu combien tu étais bon en ce temps-là? Suis-moi, aie confiance. Il faut que tu la voies. Elle seule peut te guérir. Oui, tu verras. Tout redeviendra comme par le passé. Tu n'en as plus besoin. Donne-le-moi. J'ai peur. Merde, saleté. Pousse-toi. J'espère que ça s'en sert. Oui, c'est. Allez, monte sur mon dos. Accroche-toi bien fort. Allez. Descends. C'est fini. Ouais, c'est fini. Va voir à l'intérieur. Hé, hey, doucement. Bon sang. Oh. Quand tout le monde sera dehors, vous me fouillez le bâtiment. J'ai les clés. Ouais. Il y a un troisième étage. Descendez au deuxième.
Rachel, aide-moi.
Fais voir. Il sera transféré dans un quartier de haute sécurité, où il passera le restant de ses jours. Il mourra jamais. Ramenez-la à la clinique. Allons, viens, petite. Ciao, Tony. À demain. Oh, où tu vas? Je vais voir ta femme. T'en serais capable, faux frère. On fait équipe ensemble demain? Encore? Eh ouais, encore, c'est ça la vie de couple, qu'est-ce que tu veux? T'as averti ou quoi? Non, non, m'averti en mode. Averti. Alors on sera trois. Ouais, c'est ça, on fera des choses. Eh, c'est pas tout ça, mais il faut que je me barre. Ciao. Salut. Tu vas t'asseoir devant. Thank you.
Tu m'attends.